Actu 30, au cœur de l'actualité, merci de nous rejoindre, voici le principal titre. Dossier Kabound, l'audience convoquée ce lundi et l'audience renvoyée au 2 novembre prochain. Les avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale ont soulevé des exceptions pour connaître notamment le nombre des infractions retenues contre leurs clients. Là où le PG près la Cour des cassations plaide pour la hausse de la peine de l'infraction d'outrage au chef de l'État, des organisations de la société civile appellent plutôt à l'annulation même de l'infraction. Georges Kapiamba, président de la CAJ, a donné son avis dans cette édition. L'alternance a été gaspillée. Déclaration de Délice Essanga, président du parti en vol. Du côté de l'UDPS, on rejette de telles affirmations. Allégation du berger et réponse de la bergère à suivre dans un instant. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Jean-Marc Kabound s'est présenté à nouveau ce lundi 17 octobre à la Cour des cassations dans le cadre de la poursuite de l'affaire à sa charge, notamment pour outrage au chef de l'État. Lors de l'audience, les avocats du président de l'Alliance pour les changements ont introduit une requête pour connaître le nombre des infractions retenues contre leurs clients, d'autant qu'il y a ambiguïté selon eux. Le réquisitoire du ministère public qui a permis de saisir l'Assemblée nationale mentionne 5 libellés, 5 infractions. Mais au niveau du parquet général, par sa note, il a été libellé 12 infractions. Alors, on constate qu'il y a une contrariété. L'autre requête soumise a porté sur l'assignation à résidence surveillée telle que décidée par la Cour des cassations, mais qui tarde à être exécutée. La Cour a renvoyé le dossier au 2 novembre prochain afin de rendre son arrêt avant dire droit sur l'exécution soulevée par la partie Kabound. Entre-temps, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale reste en prison. Le parti politique en vol a clôturé le dimanche 16 octobre le travaux du deuxième bureau politique élargi. Pendant 3 jours, la direction nationale de cette formation politique a réuni plusieurs délégations venues de toutes les provinces de la RDC. Au centre des débats notamment, l'avenir sociopolitique de la RDC. Après 3 jours, plusieurs recommandations ont été formulées. Publier le rapport technique de l'évaluation de la logistique électorale, incluant la situation particulière et détaillée de chaque catégorie des matériaux électoraux. 9. Prendre l'engagement de faire un rapport hebdomadaire des avancées des opérations électorales. 10. Faire clairement la distinction entre son budget de fonctionnement et celui des opérations et communiquer les montants alloués à chaque secteur avec exactitude. Dans son discours de clôture, le président national de ses partis, Délice Essanga, a fustigé l'action du régime Tshisekedi sur la gestion de la République. Le constat général est simplement alarmant. Il est tragique. L'alternance de 2018 a été gaspillée. Le pays régresse sur tous les plans. L'avant se révèle parfois mieux que l'après. Nous ne pouvons pas, pour aucune raison, nous taire et entrer dans l'hibernation face à la situation actuelle de notre pays et face au passé que nous avons tous et que nous avions tous jadis combattu de manière très énergique et qui devient aujourd'hui un horizon à conquérir. Il s'est dénoté que ces travaux du deuxième bureau politique ont consisté par-dessus tout à la préparation du congrès du parti, le projet politique, la stratégie électorale et la révision des statuts. Clôture dimanche des travaux du bureau politique élargi du parti politique en vol du député national Délice Essanga. Lors de cette cérémonie, le lit de Luisa a peint un tableau sombre de la situation générale du pays. À en croire Délice Essanga, le pays va mal faute de mauvaise gouvernance. Pour en vol, il n'y a pas meilleur exemple que l'occupation prolongée des Bounagana par le M23. En réaction,
Cette affirmation est balayée du revers de la main du côté du camp au pouvoir, Flori Biakouta, et de ceux qui ont suivi la déclaration des Envol. Comprenez que ce sont des discours utilisés par les politiciens à la veille des élections pour gagner la sympathie de la population. Mais Denis Sessanga qu'il n'ignore pas qu'il a été deux fois rebelle dans ce pays. Il a fait la rébellion avec le MLC, il a fait la rébellion avec les RCD. Tout ça, c'était dans l'objectif d'accéder au pouvoir. Denis Sessanga, c'est un politicien qui n'est pas très responsable. Et pourquoi? Il a été avec Moïse Katumbi, mais lorsqu'il est arrivé au Kassai, la population l'a exigé, il a automatiquement changé de position pour être élu député. Pour les présidents cellulaires de la famille politique du chef de l'État, les opposants bénéficient de la liberté d'expression garantie par la Constitution et matérialisée par le régime en place. Ce qu'il dit, moi je considère cela comme une expression des libertés garanties par ce régime Tshisekedi. Pourquoi? Parce que l'homme est au centre de l'action du chef de l'État. S'il est critique, c'est son droit, mais nous souhaitons, nous voulons à ce que des critiques soient des critiques positives, des critiques qui nous amènent à un développement ou des changements du pays. Il s'est noté que lors de la clôture de la réunion de son bureau politique, les députés nationaux d'Eli Sessanga a notamment qualifié l'alternance politique du gaspillage. Inauguration samedi à Kinshasa du pont reliant la commune de Lemba et Matete. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a officiellement ouvert au public et au trafic ce pont jeté sur la rivière Matete. Vieux de plus de 50 ans et longtemps coupé à la circulation, l'ouvrage fait désormais peau neuve et construit dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Tronc. C'est la suite de ces travaux qui ont été lancés et qui se matérialisent ces jours. C'est un travail de longue haleine qui a commencé et qui va se poursuivre, et je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer, et nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa au vu du nombre non seulement des habitants mais du nombre de véhicules qui ont sensiblement augmenté. C'est aussi pour moi une occasion de sensibiliser notre population sur ces zones où il est interdit de construire et où malheureusement nos compatriotes sont parfois induits en erreur par nos propres services qui doivent être en principe punis lorsque c'est le cas, où on construit sur des lits de rivières et causant justement ces inondations et ces problèmes de circulation d'eau. Ces travaux ont été financés par les trésors publics à hauteur de 643 millions de dollars américains. Juste après, le chef du gouvernement s'est également rendu sur l'avenue Kimwenza en pleine réhabilitation dans son tronçon compris entre son croisement avec l'avenue Victoire, l'avenue Kikwit. Objectif, évaluer l'état d'avancement de travaux. Jean-Michel Samalou Kondé a encouragé les exécutants à accélérer le pas. C'est une forte délégation de chefs coutumiers Teke Umbu et Kwamut qui sont venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso pour la recherche de solutions au conflit qui sévit à Kwamut, à la province de Maïndombe. Christophe Mboso a appelé les deux communautés à cohabiter ensemble comme dans le passé. Le président de l'Assemblée a voulu prodiguer des conseils au chef coutumier Teke Umbu en tant que gardien des terres pour que ce qui s'est passé à Kwamut n'arrive pas à Kinshasa. Que la communauté Teke et Yaka ont l'obligation de cohabiter comme à l'époque de nos aïeux. En tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne ne changera le plateau Bateke en plateau je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce plateau-là appartienne au Teke Umbu.
Un séjour dans la province du Kwango, dans le cadre de la recherche des solutions durables au conflit intercommunautaire entre Teke et Yaka, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito est arrivé ce samedi 15 octobre en territoire de Kasongo-Lunda, en provenance de Popo-Kabaka via Zinabunkete, au terme d'un laborieux voyage de 120 km et près de 8 heures de route, traversant villages et rivières, bravant l'absence de route praticable sur la RN16. Dès son entrée au quartier Kasanga, anciennement Wenze Yakala ou encore Vieux Marché, dans ce territoire considéré comme le plus grand du pays, la caravane motorisée de l'initiateur de Nouvel Élan a été accueillie par de nombreux militants et sympathisants de son parti venus lui témoigner leur gratitude pour cette visite. Par la suite, le cortège et la foule qui l'accompagnait se sont déployés sur la grande avenue pour se diriger au quartier Kasanga à Kasongo-Lunda Centre pour suivre le message de l'hôte de marque. Dans son adresse à la population du haut de la tribune, Adolphe Muzito a révélé les trois raisons de sa tournée. Primo, un message de paix et d'unité, tel qu'il avait fait à l'égard des populations Teke et Yaka à Kwamout dans la province du Maïndombe et à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Adolphe Muzito a tenu à réitérer sa compassion à l'égard des populations de la province suite aux atrocités subies lors de ces événements. L'ancien Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention de l'opinion et des autorités nationales sur ce conflit de terre né de la redevance coutumière qui risque d'embraser tout le pays si l'on n'y prend garde. Pour y remédier et en homme d'État, l'ancien Premier ministre appelle les pouvoirs publics à procéder illico presto à des réformes dans le domaine foncier par la titrisation des terres. Il s'agit, d'après celui dont les partisans surnomme visionnaire du Congo, de transformer les chefs de terre traditionnels en véritables propriétaires terriens, pouvant, souligne-t-il, booster le développement des provinces au travers des communautés locales. Segundo, dans le cadre de l'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan en vue des échéances électorales de 2023, Adolphe Muzito dit être venu procéder à des consultations avec les différentes couches de la population du Kwango afin de connaître leurs problèmes et desiderata pour sortir la province de l'enclavement qui freine son décollage. À cet effet, le Premier ministre honoraire n'a pas caché sa consternation suite au maintien de la route nationale numéro 16 dans un état lamentable et déplorable, alors que les fonds avaient été alloués pour sa construction. Homme d'État qui se veut également homme de terrain, l'initiateur de Nouvel Élan annonce son retour à Kinshasa par le Congo central, soit de l'autre rive de la rivière Kwango, à partir de Popo-Kabaka, sur l'axe Kimvula-Madimba et Kisantu. Histoire, affirme-t-il, de marquer les liens ancestraux entre les deux peuples, Yaka et Bantandu, qui du reste ne jure que par la construction d'une route entre Popo-Kabaka dans le Kwango et Kisantu dans le Congo central pour donner une nouvelle impulsion à leur développement. Deux colonels de forces armées et trois autres militaires, dont l'un en fuite ainsi qu'un civil, sont condamnés à la peine de mort puis renvoyés de l'armée congolaise. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et meurtre de deux ressortissants chinois. Quatre autres militaires écopent de 10 ans de prison pour violation de consignes et sont également radis. De FRDC, la cour militaire présidée par le colonel magistrat Dienga Akelele a rendu son arrêt le vendredi après deux mois de procès. La cour ordonne que tout est prévu de restituer à la partie civile les 4 lingots d'or volés par eux et les 6 000 $ qui se sont partagés. Ordonne que tout est prévu paye conjointement au titre de dommages et intérêts à la partie civile une somme de 50 000 $. La cour de séance s'abstient de se prononcer sur l'action en dédommagement dirigée contre la République démocratique du Congo comme civilement responsable. Maître Jean-Marie Vianney, l'un des avocats des condamnés, conseille ses clients d'aller en appel pour la réduction de leur peine. Pendant ce temps, la population salit ses verdicts de la cour.
Na félicité penza justice na biso ya province ya Ituri. Si po eza batu moko esengeli teta ba existe katikati ya batu. Ndi nazo senga na ba autorité na biso ya province ya Ituri vraiment bati ya sincérité makasi na kati ya makambo wana. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC en Ituri, il s'agit d'une victoire dans la lutte contre la mafia et les antivaleurs au sein de forces de défense et de sécurité. Instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée à la lettre en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général. Le Boyanka Chamadjouni. Notre détermination pendant cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité. Et donc nous exécutons à l'esprit, à la lettre, les instructions permanentes du commandant suprême des forces armées. Il faut lutter contre ces fléaux. Pour nous, c'est une victoire parce que nous allons continuer à chercher tout cela qui ternissent l'image des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les deux officiers supérieurs, à savoir le colonel Mukalenga Chendeko et Kayumba Soumaïli, ainsi que leurs co-condamnés, avaient planifié l'attaque contre les convois des Chinois le 17 mars 2022 vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Ils avaient tué deux Chinois et emporté 4 lingots d'or et 6 000 $ américains. Disons-le, de nombreux officiers supérieurs et militaires ont déjà été condamnés, notamment pour vente de munitions aux groupes armés et détournement de fonds destinés pour les opérations en Ituri en cette période de l'état de siège. La révision à la hausse de la peine des infractions d'offense au chef de l'État devrait être durcie. C'est la proposition faite par le procureur général près la Cour de cassation samedi dernier lors de la rentrée judiciaire de cette instance. Pour Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, cet avis du procureur près la Cour de cassation est inopportun. Le président de la CAJ appelle plutôt à l'annulation de cette infraction. Aujourd'hui, pour mieux protéger le président de la République, nous pensons qu'on n'a pas besoin de ce texte. Voilà pourquoi la CAJ a lancé un appel et va poursuivre son plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour obtenir carrément un projet de loi devant permettre d'abroger pur et simple cette infraction de notre code pénal. Pour le président de la CAJ, les Congolais attendent plus d'action sur la lutte contre la corruption auprès du procureur près la Cour de cassation. Nous nous attendions à ce que nous suivions M. le procureur général près la Cour de cassation aborder une thématique devant aller dans le sens d'informer les Congolais et les Congolais les contours de sa nouvelle politique en matière principalement de lutte contre la corruption sous ses formes, parce que c'est ce qui intéresse davantage aujourd'hui notre pays qui est en train de se battre pour mobiliser des recettes afin de répondre à ces multiples défis, notamment les défis aussi de faire fonctionner convenablement les cours et tribunaux. C'est depuis 1963 qu'une peine de 3 mois à 2 ans de prison est appliquée en République démocratique du Congo en matière d'outrage au chef de l'État. D'ici octobre, journée internationale de la lutte contre la pauvreté. C'est dans ces cadres que le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé une conférence autour de l'agriculture comme un élément important du développement de la République démocratique du Congo. Chaque intervenant a eu à brosser sur le mécanisme de lutter contre la pauvreté, principalement sur l'agriculture, pour réduire les taux de la famine en RDC. Militariser l'agriculture, guerre sans fin contre la faim. C'est les livres du sénateur Didier Moumengi qui met en place des stratégies pour la sécurité alimentaire. Nous avons 80 millions de terres arables parce que nous avons 45% de toutes les réserves d'eau douce d'Afrique. Parce que dans les eaux nationales du Congo, il y a 700 000 tonnes de potentialité halieutique. Parce que notre terre peut héberger l'élevage de 40 millions de têtes du gros bétail. On ne peut pas accepter que cette terre puisse assister sans révolte au génocide silencieux de la faim.
On va commencer par décréter l'état d'urgence agricole pour que l'agriculture devienne la première activité du pays, pour que nous devenions une république agricole. Notre objectif, c'est que nos produits se retrouvent sur le marché de manière régulière. Ensuite, nous avons aussi installé la microcentrale pour être autonome en électricité. Cette électricité va nous permettre de passer à la transformation de fruits, parce que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Ensuite, nous y avons installé aussi des appartements bien aménagés avec lit, climatiseur, fauteuil et tout, et petit frigo où les gens peuvent venir passer tout le temps qu'ils veulent. Les participants de cette conférence se sont également exprimés. Nous devons d'abord militariser nos esprits, c'est-à-dire nous réveiller et travailler. On nous a encouragé de consommer congolais, de ne pas utiliser des choses venant de pour pouvoir développer notre économie. Nous devons consommer congolais. Selon les statistiques des Nations Unies, près de 8% de travailleurs et leurs familles dans le monde vivent avec moins de 1,90$ par personne et par jour. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée le 17 octobre de chaque année, le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère a, au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, lancé la campagne nationale « Refonder la nation congolaise ». À travers cette campagne, le mouvement veut faire passer un message, celui de la prise de conscience des uns des autres pour sortir les RDC de la pauvreté. Pour prendre conscience que nous avons des pays solutions tels que qui a la biodiversité, la forêt, le climat et qui a les ressources du sol et du sous-sol. Et nous ne pouvons pas être les derniers ou les insouciants par rapport à tout ce que nous avons pour vivre dans la pauvreté. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'RDC est resté depuis une cinquantaine d'années dans la zone rouge. Ce rapport mondial note qu'elle est l'une des cinq nations les plus pauvres du monde. En 2021, près de 64% de la population du pays vivait avec moins de 2,15$ américains par jour. Nous sommes très mal classés, cinquième sur le rapport mondial de la Banque mondiale, cinquième pays pauvre, donc sur la bonne liste ou la mauvaise liste. Mais nous devons sortir de ça, nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Les mouvements ne cessent de faire des plaidoyers, donc nous avons des plaidoyers qui sont tournés vers nos partenaires, nos bailleurs de fonds, notre gouvernement propre, nos législateurs et puis nous-mêmes et les associations donc à la base. Nous avons d'abord pris conscience par nous-mêmes de la réalité telle que je l'ai décrite ici dans la salle sur Kinshasa, comment de la débrouille on peut penser faire de l'informel un travail rémunéré, croire que c'est du travail pour sortir de la crise, mais ce n'est pas du travail, c'est de la survie. C'est la survie où on est vraiment dans un état de croire qu'on est en train d'urbaniser la pauvreté. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère est un réseau d'associations, des ONG et des personnes ressources qui s'investissent chacune à son niveau dans la lutte pour l'élimination de la pauvreté en RDC. Pour cette année, les thèmes retenus pour cette célébration est la dignité pour tous dans la pratique. Bonne opération pour les Derrick Lamoté Mbembe de Kinshasa. Les Immaculés se sont qualifiés dimanche pour les tours des barrages de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après avoir perdu 0 contre 1 lors de la manche aller, le DSMP a remporté son match retour sur le score de 2-0 face au club séchillois de Saint-Michel United. Dans un stade des martyrs qui sonnait creux, les Tupamaros, obligés de jouer à huis clos sur décision de la CAF, ont très vite rattrapé leur retard d'un but grâce à l'ouverture des scores à la 11e minute de Jonathan Ikangalombo. La délivrance du DCMP viendra par les biais de Platini Piana, Mozizi à la 78e minute, servi en profondeur, le 229 oblige les visiteurs à aller chercher les cuirs au fond du filet, des zéros synonymes d'une qualification pour les verts et blancs au prochain tour
et de la Coupe de la CAF. Bien avant des SMP, les Saint-Éloi Lupopo avaient lui aussi réussi à se qualifier pour le tour des barrages. Les cheminots ont imposé un nul des orbis partout au club angolais de Sargada Esperança le samedi 15 octobre à Luanda. Lupopo obtient cette qualification grâce à sa victoire 2-0 lors de la manche aller à Kinshasa. Et puis, l'AS Vita Club de Kinshasa ramène un nul de son voyage au Bénin face au Rai Club de Kadiogo en 16e de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. 0 but partout, c'est le score final qui a sanctionné cette rencontre. Comme lors du tour précédent de la Ligue des Champions, les Moscovites joueront leur qualification à Kinshasa. La manche retour est prévue déjà pour ce jeudi 20 octobre. C'est la plus grande machine du système. Par ces temps qui courent, tout sportif, pratiquant et professionnel rêve de belles et grandes performances à même de les propulser le plus haut possible. Ces performances tant rêvées ne s'obtiennent pas d'un revers des mains comme on le voudrait. Autrement, c'est tout un processus tributaire à plusieurs paramètres souvent ignorés du commun des mortels, surtout dans des pays africains sans beaucoup de connaissances en cette matière. D'où la raison d'être d'Impact Sport Dev, créé en RDC pour apporter des services requis aux sportifs de tous les horizons et des différentes disciplines sportives à la quête des performances de haut niveau. Ça nous a permis aussi dans les échanges avec eux de connaître réellement leurs besoins. Pour nous maintenant, lorsque nous allons mettre en place nos programmes de formation et nos programmes de suivi, de proposer quelque chose qui est en phase avec la réalité et le besoin du sport en RDC. Nous allons aller vers les clubs, nous allons aller vers les fédérations, nous allons aller vers l'État, nous allons aussi aller vers les sportifs eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons commencé par aller directement vers les sportifs. Nous avons communiqué grâce à notre propre réseau, nous avons communiqué aussi sur Internet. Et demain, nous allons officiellement nous adresser auprès des autorités sportives du pays pour leur proposer nos services. Dans son champ d'action, Impact Sport Dev vise d'abord la formation dans certaines matières liées au sport. En exemple, les éléments qui ont trait à l'alimentation des sportifs. Ce qu'il faut retenir, c'est de valoriser d'abord l'alimentation. L'alimentation parce que c'est les carburants en fait. Le corps, c'est une machine, comme je l'ai dit dans mon intervention. C'est une machine qui a besoin, obligatoirement besoin de quelque chose, hein. Des lubrifiants, de tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et tout ça, il faut ingérer ça, donc il faut manger ça. Et pour trouver ça, naturellement, Dieu nous a donné beaucoup de choses, bien qu'actuellement, on commence à tout transformer. Ce qui réduit la qualité. Ce qui réduit la qualité, ça réduit les capacités des athlètes. Nous avons besoin d'améliorer, d'essayer un peu de revoir encore l'alimentation du sportif pour qu'on puisse revenir sur sa bonne condition physique. Plus tout sportif rêve des belles performances dans sa carrière, plus devra-t-il soigner son image des marques. Moi, je conseillerais aux sportifs congolais d'apprendre l'utilisation des réseaux sociaux, d'apprendre les basiques de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est très important pour l'image, leur propre image et l'image même du sport qu'ils pratiquent. C'est important pour eux, c'est important pour leur carrière et c'est important pour les opportunités eux-mêmes. Ainsi, comme on l'aura compris, les performances dans les sports et la communication autour des sportifs ont constitué les deux points à l'ordre du jour de la conférence des presse organisée par Impact Sport Dev. C'était dans l'enceinte de la concession Prococune au quartier GB dans la commune d'Ngaliema. Cette conférence en soi est le début des activités d'Impact Sport Dev que l'on découvrira davantage dans les tout prochains jours. Si la France y agit, il aura besoin de beaucoup d'ici. Au zapping de ces jours, d'abord les sports. L'ancienne gloire de la NBA, le Congolais Mutombo Dikembe
atteint d'une tumeur cérébrale. L'annonce est tombée samedi. Elle est de la Grande Ligue américaine. L'instance organisationnelle du basketball américain a précisé dans son communiqué que Mutombo Dikembe suit les meilleurs soins possibles grâce à une équipe de spécialistes à Atlanta aux États-Unis. Mutombo Dikembe et sa famille demandent de respecter son intimité pendant cette période afin de pouvoir se concentrer sur ses soins, rapporte la National Basketball Association NBA en sigle. Entre-temps, des réactions n'ont pas manqué à la suite de cette annonce, dont celle de Patrick Ewing, aussi star du sport au panier. Il appelle tout un chacun à prier pour Mutombo Dikembe et sa famille. Direction l'Éthiopie où le gouvernement a restreint l'émission des devises étrangères par les banques. La mesure concerne les entreprises qui importent des biens non prioritaires, des dizaines d'articles, dont des voitures qui sont visées. Alors que le pays fait face à une baisse drastique de ses réserves d'échange, il était temps, selon les autorités, de restreindre l'utilisation des devises étrangères à l'importation des denrées alimentaires, des médicaments, d'équipements médicaux ainsi que des matières premières. Fin mars de l'année en cours, la Banque nationale d'Éthiopie indiquait que les réserves du pays étaient tombées à 1,6 milliard de dollars, couvrant ainsi moins de 2 mois d'importation. Bien loin du fuseau horaire africain, en Chine, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert dimanche 16 octobre à Pékin. Au terme de ce congrès, le président Xi Jinping, en poste depuis 2013, doit être reconduit à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Lors de son discours d'ouverture, le secrétaire général du parti a fait le bilan de son mandat, justifiant sa stratégie zéro Covid et faisant de la réunification de Taïwan sa priorité. Les processus pacifiques est privilégié, mais Xi Jinping admet que la Chine ne renoncera jamais à l'usage de la force si nécessaire. L'option militaire a toujours été sur la table, a-t-il dit. Le congrès qui s'est poursuivi jusqu'au 22 octobre s'est tiendra en présence d'environ 2300 représentants des partis qui se sont réunis dans les grands palais du peuple à Pékin. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.